aller vers l'inconnu dans un pays différent où on ne connaît pas la langue, pas la culture et tout ça, ça m'inquiéterait, je pense. Découvrir un peu un pays. Au départ, on est vachement dépaysé, on est perdu, quoi. Je sais pas si je suis assez flexible mentalement pour réussir une transition comme ça. La perte de repères, j'aurais beaucoup de mal à m'adapter dans un... Au niveau donc, de la vie locale, des coutumes, etc., ben, vous verrez sur place et vous arrivez dans une autre culture avec des autres mentalités. Et personnellement, j'ai été très surprise du système éducatif anglais qui diffère totalement de notre système français. Il faut s'y habituer, mais c'est vraiment quelque chose que moi j'apprécie de voir autre chose. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à partir. C'est une expérience, c'est une bonne chose à vivre. C'est un moment dans votre vie, il faut le saisir. C'est une chance, c'est une opportunité. Donc profitez-en, c'est tout ce que je peux vous dire. Et tenter l'expérience parce que c'est vraiment une expérience fondamentale et une aventure extraordinaire. On rencontre des gens qui vont sûrement rester nos amis pendant toute notre vie et c'est une expérience vraiment structurante, je dirais, au niveau académique bien sûr, on va apprendre des choses, mais surtout au niveau personnel, une expérience d'autonomie claire. Et voilà, il faut juste oser sauter le pas et franchement sautez-le parce que c'est une expérience exceptionnelle.